Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo où je vais vous montrer tout simplement les quelques étapes, on va dire, que j'ai pu réaliser pour changer ce bouton de GameCube. Sur ce, bon visionnage. Je suis en route à démonter la manette GameCube. Oui, c'est plus que bon à changer. C'est mon autre manette, hein, j'en ai deux des violettes. J'ai déjà mis en route avec ce petit tournevis. Donc on peut voir le niveau de crasse, hein, c'est vraiment dégueulasse. Que je tiens à préciser que j'ai prévu mon coup, hein. Je sais pas s'il y en a qui regardent mes playlists, mais il y a deux petites vidéos pour démonter, réparer des manettes GameCube qui sont disponibles. Et il y a longtemps qu'ils y sont, hein. Il y a longtemps que le coup est calculé. Même là, c'est honteux. Ça sera mieux. En même temps, j'y suis. La dernière fois aussi, j'avais déjà réparé, on va dire, ceci sur la manette grise. Si certains avaient regardé la vidéo du retour de Vide-Grenier, quand j'avais récupéré cette GameCube grise, avec la manette, hein, avec les fils pas terribles, donc voilà. Ceci sont dans le commerce assez facilement. Puis peut-être que je vais changer aussi ce bouton quand je l'ai la démonter pour bien la nettoyer. Donc là, ça devrait faire l'affaire pour dépoussiérer. Faites pas de cauchemar. Voilà, le nouveau bouton est en place. Je viens tester. Un bon retour. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.